contre l'immigration qui métisse notre culture. Quitte à taper sur les immigrés. Quitte à les taper s'il le faut pour se faire connaître et pour se faire comprendre et entendre. À l'époque, tu avais 99,9% des skins sur la France comme sur l'Europe et en particulier l'Angleterre et l'Allemagne qui étaient nazis. Et on va pas se mentir, c'était la tribu dominante à un moment donné. C'était vraiment la terreur de base quand tu sortais, quand tu avais été punk à 15 ans, tu vois, tu voulais te balader dans Paris, tu étais obligé de faire un parcours sur ton plan de métro parce qu'il y avait des endroits que c'était même pas la peine d'essayer de traverser. Tu évitais les Halles, tu évitais Luxembourg, tu évitais les plus détenus en cours le week-end. Enfin, tu vois, c'était un peu compliqué. Donc, il est temps qu'on s'organise nous aussi en bande. L'objectif serait l'antifascisme radical et faire changer en gros la peur de camp. Les forces au pouvoir à l'époque ne faisaient rien. C'était un mouvement, on le laissait faire. Même si la politique de l'époque, si tu ne pouvais pas permettre à ces gars-là de fermer leur gueule et leur dire qu'ils avaient tort, en gros, bah nous on l'a fait. La grande différence, je pense, entre l'extrême droite et nous, c'est que nous, on chassait l'extrême droite. On sortait le soir pour en trouver. C'est ça la grande différence. C'est qu'on cherchait, on cherchait du faf. Il y a effectivement cette fameuse descente au Baldiz, qui a été une des premières réelles offensives face au mouvement skinhead où Pascal de Juvisy s'est fait décoiffer sa raie. C'était un skin, il avait une raie sur le côté, tu sais, comme Adolf Hitler, et rasé à blanc sur les côtés. On l'appelle Pascal de Juvisy. Donc c'était les Légions 88 et toute la clique là. Et les Red Warriors, ils sont allés, ils ont tous mis Bombers retournés, c'est pour ça, pour se reconnaître face au skin. C'est comme ça que la légende du Bombers retourné est née. C'est pour ça que je dis que c'est un mythe fondateur, parce que c'est vraiment la première descente en tant que... Enfin, c'est la première descente des Red Warriors en tant que bande constituée. Alors voilà la descente, on est tous morsous, c'est parce que bon, c'est quand même au vin blanc. On est dans une Citroën Visa et on est 7 dans la voiture. Il y en a même qui étaient dans le coffre. C'est-à-dire que si c'est pas toi qui descends leur ouvrir la porte, ils peuvent pas sortir de la voiture. Tu vois. Et quand ils sont arrivés, ils ont foncé en caisse, ils sont tous sortis avec les battes de baseball et en bonbon orange, ils ont tout déménagé. Les vrais groupes de chasseurs, on devait être 3 ou 4, c'est tout. En tout, dans Paris, on a dû être moins d'une centaine. Et on est tous des frères. C'est vraiment une idée politique qui nous motivait tous, c'était combattre le fascisme en France. Ça n'existe pas dans les autres pays. Tu vois, on est vraiment les premiers ici à Paris à avoir développé cette espèce de radicalisme militant et actif, cet activisme antifa dans la rue. Donc c'était que de la ruse, de l'armement, du nombre, des embuscades. Et on a fait notre travail, notre objectif c'était d'éliminer les skins de la capitale. Et à la fin, ma foi, je crois qu'on n'est pas trop mal arrivé.